ça fait la question. Oui. Oui, oui, continuez. Il a répondu. Pardon. Il nous a remercié. Pour la question, oui, oui, pour la question de la mauvaise propagande. Ceux qui disent, quel est votre message à ces gens-là qui ne trouvent rien à dire, que répéter des mensonges ou que eux qui les créent que... Alors, moi, je vous donnerai... À travers le monde. Le 7 mars, j'ai une exposition et j'avais dit... Ça aussi, c'est la non-confiance entre l'autre les personnes, d'accord, parce qu'ils doivent gonfler les choses et dire n'importe quoi, ou bien pour vous faire peur, ou bien pour me dire que ce n'est pas grave. Alors moi, il y a le mois de mars, j'ai une exposition, et j'avais dit à mes amis, s'il vous plaît, moi je fume, comme vous savez tous, je fume, donc je suis un peu plus sensible avec mes poumons. Oui. Je préférerais vous dire bonjour et ne m'embrassez pas parce qu'il y avait des personnes qui avaient de la grippe à cette époque-là. Donc ça fait un mois. Et en sortant de cette exposition, alhamdoulilah, je n'ai rien eu. Alors je suis allé au café, comme tous les jours, j'ai des cils dans les cafés et j'écoute les informations, que ce soit en roumain, en français, en arabe, je me débrouille très bien. Oui. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à se saluer dans la rue et dire « Oh, je te passe un peu corona !» Ils ont commencé de rire et là je me suis dit « Attends, c'est des conneries, c'est ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas compris que le ministère de la Santé du globe du monde entier, ils ont dit attention, il y a un virus qui arrive, il peut détruire les vies, il peut détruire les familles. Ils ont commencé de rire. Moi, je me suis continué depuis le 10 mars, voilà, toute seule. Donc avant tout le monde, j'ai dit attends, je préfère prendre mon café à la maison, rire, parler comme tout le monde, je décide, je fais tout ça et j'ai commencé à suivre. Vous voulez me croire? On n'a pas peur de la mort, parce qu'il faut comprendre une chose. Les mauvaises choses qui passent en premier lieu, il faut croire. C'est ce qu'ils nous disent. Et la police, il ne va pas sortir dans la rue comme des malades, de dire rentrez chez vous, faites ça. Les médecins, ils ne vont pas rester comme des fous dans les hôpitaux, de dire ils sont morts, il y a des morts, il y a des... Tout le monde, il pleure. Alors, on croit. Mais on doit écouter aussi. Aujourd'hui, on est devenu comme des petits enfants, qu'on doit écouter ceux qui nous guident. Moi, je vous dis, alhamdoulilah, je suis à la maison, je suis protégé. Oui, par ma fille et mon beau-fils, ils essayent de sortir le minimum possible, et que ma fille, la pauvre, elle fait désinfecter la porte, devant la porte et tout ça, il a dit maman, ce n'est pas des blagues, qu'est-ce qu'ils ont dit, regarde les gens qui tombent dans la rue, regarde les gens qui meurent, mais je veux vous dire une chose, j'ai de la chance, et ma fille me l'a dit, tu sais maman, on a un roi extraordinaire, je dis oui, je sais, on est bien protégé, vive le roi vraiment, parce que ça fait plaisir d'être protégé par le plus responsable de son pays, le plus grand de son pays, qui te donne le courage de dire restez chez vous. Chapeau à notre roi. Moi je suis très fier, je vous assure. Et même s'il nous dit restez chez vous, et s'ils viendront avec un bâton comme ils font les hindous, ils le tapent, moi je dis qu'ils méritent parce qu'ils vont amener la mort dans leur famille. Les gens qui ne comprennent pas. Ils doivent rester à un mètre. Déjà. Ils ne demandent pas la lune. Déjà, il y en a qui ont fait périr leur famille, ses enfants, enfant dans cette maladie. C'est la catastrophe. Oui. Il faut que l'humanité se réveille maintenant. Bien sûr. Le confinement mondial est aussi un temps ça va nous sauver. De se reviser.
de réviser soi et de partir vers un monde plus ouvert, vers un monde plus tolérant, vers la solidarité. C'est ça, oui. Et c'est en plus de ça, c'est ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas qu'on est dans une pandémie. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde qui souffre, c'est tout le monde qui passe dans cette misère, oui, dans cette angoisse psychique et physique. Donc j'espère que demain, on sera plus unis, plus respectueux, plus ouverts vers l'autre. Et aider, bien sûr, parce que c'est très très important, je vous assure. Mais cette pandémie, ça nous fait souffrir chacun de notre côté, dans sa maison, dans... Imaginez-vous les gens qui n'ont rien à manger, imaginez-vous les gens qui n'ont pas une maison. C'est affreux. Alors, je dis... C'est très important. Et restez chez vous. Ouais. C'est pourquoi j'ai intensifié les invités. D'abord, on sait bien que l'artiste est sensible. C'est pourquoi je frappe pas beaucoup de portes. Et on pensait à notre confrère Amar Lalouche de l'Algérie qui a subi une intervention chirurgicale. Il passe le bonjour à tout le monde. Je l'ai contacté, il est très gentil. Je l'ai appelé. Il a répondu. Je l'ai vu pour la première fois. Et c'était pour moi un honneur. Et vrai, ça réchauffe le cœur, comme on dit. Ça bien sûr, oui, bien sûr. C'est comme ça. Pourquoi la chaîne tout c'est au service de l'art, au service de l'humanisme. Et bien sûr, si vous avez un autre message à dire, passez, c'est votre chaîne, c'est... Vous êtes oui, là. Oui, c'est très gentil. Moi, je dirais que... Comme on dit au Maroc, vous êtes l'invité, la maison est la vôtre. Merci beaucoup. Pas de quoi. Moi, c'est ce que je voudrais dire avant de dernier mot, avant. Il ne faut pas oublier que les artistes, ils ne peuvent pas lutter avec les piqûres, avec les tests, avec les masques, avec tout ça. Mais ils peuvent faire leur art comme la musique, donner un sourire dans les graves moments de notre vie. Si on peut donner juste une image ou un son, ou bien, pourquoi pas, une blague pour chauffer le cœur des autres. Oui. C'est ça, nous, les artistes, c'est ça. Oui. Nous, on est là pour ça. Même avec la souffrance, on ne la montre jamais. Parce qu'on doit donner le plus beau message, disons la paix, aimez-vous. Et bien sûr. Aimez les autres. C'est important. C'est la vocation de l'artiste. De passer des messages d'amour, des messages de prévention, de messages de tolérance et de messages de solidarité comme la chaîne pour grosso modo, ça fait longtemps qu'il le fait dès le confinement, c'est comme ça la solidarité, c'est comme ça que la chaîne a sa philosophie. Revenons à vous. Ma chère invitée, qu'on se connaisse sur Facebook, ça fait longtemps, même si vous habitez là-bas, l'occasion n'a pas eu pour qu'on puisse se rencontrer. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Moi, la chaîne est ouverte à tout créateur. Qui veut me contacter, soyez le bienvenu. Qui le contacte, il est toujours le bienvenu. Qui s'excuse, c'est son choix. Qui veut pas directement, c'est son choix. Mais de toute façon, à qui je frappe, il doit répondre. Un qui ne m'a pas répondu après ce que je lui ai expliqué, ça m'a fait. Mais passons ça. On sait que vous êtes actrice. Est-ce qu'il y a des projets au domaine? Non, j'ai pas de projet. Moi, j'aime la peinture. J'écris très peu actuellement. J'avais écrit dans une période
après le décès de mon mari, je pense que je n'avais besoin de m'exprimer aussi avec l'écriture. Le cinéma, je ne pense pas que c'est pour moi. Parce que je suis tellement autodidacte que je fais les chaînes, c'est sur place que je fais les blagues, c'est sur, je n'aime pas tout à fait, disons, avoir des monologues, et des participer oui, dans un film, et puis à mon âge, hein, je préfère faire ma peinture et critiquer les autres, son papa. On est très vieux pour apprendre. On veut toujours improvisionner. Non mais je dis à mon âge, mais j'ai pas dit mon âge. Même à mon âge, moi. Tu crois que j'ai 16 ans. Moi, j'en ai que deux. Et pour l'écriture, vous ne pensez pas d'éditer un livre? De le publier. Si, justement, moi, comme. Alors, par exemple, vous voyez, celui-là, c'est un livre que j'ai manuscrit. Écrit un roman. Oui, c'est écrit un roman. Normalement, il avait le projet cette année de partir en Roumanie et de le sortir là-bas. Il s'appelle Salam Aleikoum. Et dans Salam Aleikoum, j'ai écrit un peu depuis le premier jour que j'ai connu mon mari jusqu'à. Il y a 12 ans à peu près, parce que c'est 12 ans que j'ai commencé la peinture et l'écriture. Incroyable, mais vrai. Le tableau et une phrase. Le tableau et une phrase, ça a été comme ça, moi. 12 ans. 12, c'est pas deux. Non, non, dans 12 ans. Dans 12 ans, j'ai... Oui, je sais, oui. Seulement pour... parce que il y en a qui vont comprendre 2 ans. Oui. Non. Et en quelle langue? En quelle langue c'est écrit ce oui, cet justement, ouvrage? Je l'avais écrit en roumain parce qu'à cette époque-là, je ne pensais pas que je veux être la fondatrice, disons, de ce mouvement artistique. Donc, mon mari l'avait commencé à le traduire. Malheureusement, il est tombé malade et on a laissé tomber le projet pour le français et l'arabe. Mais disons que c'est une autobiographie, une parodie dans laquelle mes amis en Roumanie et ma famille, ils ont été étonnés. Ils ont dit, on te connaît mieux, parce que ça fait 38 ans que j'ai quitté la Roumanie quand même. Ah, oui. On te connaît mieux, on s'amuse, et j'aimerais bien, c'est un joli projet que j'ai souhaité de faire, je ne sais pas quand. Mais j'ai réalisé un autre projet avec mes enfants. J'ai fait... Oui. L'imprimer si je peux me permettre, c'est pas qu'une publicité parce que je le fais tout le temps. Alors, je fais un projet dans lequel je pense que vous connaissez très bien. J'ai fait des habits et des chaussures. Oui, oui. C'est mon travail. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est, ouais. C'est un de mes projets que j'ai souhaité de l'avoir et. J'ai réussi, mais coronavirus, il est arrivé et maintenant on s'est arrêté pour le moment. Mais ça viendra après, Inch'Allah. Le travail continue. Tous les spectateurs vont découvrir vos créations dans une vidéo qui va suivre. C'est ça la nature de la chaîne. À la fin, la vidéo de l'artiste, soit qu'il nous envoie une vidéo, soit qu'on prenne des photos de son mieux, puisque vous m'avez dit servez-vous. Oui, oui, servez-vous, il n'y a pas de problème. Donc, pas de problème. J'ai pris des photos qu'on doit passer dans une vidéo animée, bien sûr. Ça, c'est, ouais, après qu'on finisse de l'interview, de parler. C'est très gentil, merci. Comme la en tout cas, moi j'espère, oui. Et je le souhaite que le ministère de la Culture ici au Maroc, il m'aidera un jour, et ça c'est un grand message que je donnerai, de créer le festival de l'œillisme international, parce qu'au Maroc, il y en a beaucoup des artistes qui travaillent avec l'œil, avec le regard spirituel, et j'espère qu'un jour j'aboutirai, sinon ça sera après. Après, vous savez, après, quand je partirai de ce monde, peut-être qu'il y aura cet festival de l'œillisme, parce que je vous assure, je vous donne ma parole d'honneur, qui me connaît et ne m'oublie pas. Il faut militer pour exaucer les rêves.
Il faut s'en attacher solidement, solidement. C'est ça l'artiste, il ne désiste jamais. Et comme la plus pour comme on dit pour démocratiser l'interview. Oui. On laisse l'invité de nous questionner sur toi. Que je fais? Oui, si vous avez des questions à poser à nous, à la chaîne, on peut, à moi en personne, n'hésitez pas. Je ne me suis pas préparé pour ça. D'ailleurs, je ne me suis pas préparé pour rien du tout. Je poserai une question. J'espère. Oui, et même après le confinement, vous resterez et vous interviewerez beaucoup des artistes. C'est important, c'est ce que vous faites. C'est un message magnifique. Merci. C'est notre devoir en ce moment de casser les routines et de faire connaître les artistes à travers le monde entre eux. On essaie de bâtir des ponts d'amitié, des ponts de solidarité à travers le monde. On n'essaie pas d'être une chaîne d'une communauté, mais de tous les artistes de toute la planète. C'est ça, notre cœur s'ouvre à tout le monde, tout créateur. C'est ça la chaîne. Et merci. Pour ça, je vous remercie. Ok, je vous laisse. Mes chers, comme vous avez pu nous suivre, maintenant, comme d'habitude, il y a la vidéo qui concerne toujours notre... tout le monde.